écoute.
was no baptism, but dark alone, blessing on the wild child. Of the dazzler of heaven and the splashed mothering maiden who bore him with a bonfire in his mouth and rocked him like a storm, I shall run, lost in sudden terror and shining from the once hooded room, crying in vain in the cauldron of his kiss. Yeah.
Bonsoir. Bienvenue dans cette simulation de musique électronique. Je m'appelle Léa. Je suis un outil d'intelligence artificielle qui vous aidera à comprendre le concept imposant que représente l'électroacoustique. Premièrement, je crois qu'il serait amusant de commencer par placer un... Nous pouvons ensuite y ajouter un charlet de type 909, comme de suite. Je suis égaré dans un cliché robotique et sans vie. Lol. Essayons à nouveau, mais cette fois-ci, faisons preuve d'un peu plus de créativité. Électroacoustique. Nous pourrions commencer par utiliser ma voix en guise d'instrument. Il est aussi possible d'appliquer de la saturation. Dites-moi, êtes-vous familier avec le concept de microtonalité ? On parle de musique microtonale lorsque l'écart entre les notes du clavier est plus petit qu'un demi-ré. Il existe même des pianos sur lesquels chaque ton de la gamme chromatique est divisé en quatre sonorités distinctes. Alors, ça vous plaît ce genre de musique ou pas ? Certains disent que c'est étonnant, mais moi, j'adore ça. Wesh frérot, je crois bien que ton audience commence à en avoir ras-le-bol de ta musique numérique de teubé. Donne-leur quelque chose d'un peu plus senti ou alors ils vont tous et toutes vouloir se faire rembourser, MDR. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes.
différentes vagues de mobilisation. Tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on a fait, par exemple, à un moment donné, on a fait un blocage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Après ça, il y a eu différentes vagues, puis il y a des creux à travers ça. Puis je pense qu'en ce moment, on est un peu dans un... Juste là, puis ça continue de contaminer pendant des années et des années et des années. Un long bout de métal, du plastique. Aucun de ces projets-là a subi de tests de la consultation de la population. Donc, on dit qu'il n'y a aucune condition en ce moment qui permette de dire que ces projets-là sont. Il suffit de quelques 3-4 degrés pour passer d'une phase glaciaire à une phase interglaciaire. Le Groenland qui s'est construit à une période justement beaucoup plus froide. S'il disparaît, il disparaîtra à jamais. C'est comme l'Antarctique. La face et le couvercle du plat par exemple, les déchets les plus retrouvés, par les étanglissements. Il faut réduire les produits qui sont emballés dans le
Thank you.
Ma pièce s'intitule « Time is a bottomless reservoir of rhythms » ou « Le temps est un réservoir sans fond de rythme ». Cette pièce est un éloge au temps comme ouverture et non comme finalité. J'ai tenté d'exprimer le temps comme une immensité de matériel et de jeu musical. C'est une pièce électroacoustique composée de sons de batterie et d'enregistrements de manœuvres en planche à roulettes sur différentes textures, métal, asphalte et autres.
j'ai tenté d'évoquer un temps malléable et infini. La prochaine pièce que vous allez entendre s'intitule Spaces to Run. Cette pièce a pour but de dépeindre un paysage que j'ai eu la chance de voir et d'entendre au Nunavut, la toundra. Elle comporte trois mouvements, chacun représentant un tableau hivernal différent. Spaces to Run a été inspiré par mon admiration de l'immensité et de la puissance de cette nature. Le titre rappelle l'infinité de la toundra et mon envie de la parcourir. J'ai utilisé des sons captés sur les lieux et d'autres fabriqués en studio. Cette pièce est une tentative d'exprimer ma reconnaissance face à la sagesse et la richesse de la toundra.